Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog parce que ça fait longtemps qu'on me le demande et je ne l'ai jamais, enfin j'ai jamais encore eu l'occasion de le faire. Je vais vous faire une petite journée dans ma peau d'étudiante. Voilà, je suis en école de commerce, donc vous allez me suivre toute la journée. On se retrouve avec mon petit déjeuner. Pour bien commencer une petite journée, il faut manger. Et donc aujourd'hui, je vais aller en cours. J'ai pas beaucoup de cours, juste une matière. Ensuite, je pense que j'irai faire 2-3 courses. J'ai déjà ici à rendre pour la semaine prochaine, donc on va faire ça un peu cet après-midi aussi. Et ce soir, j'ai vu que j'avais une petite soirée avec des copines, donc vous allez me suivre toute la journée. Comme j'utilise pas mal de post-it dans mon quotidien, post-it m'a proposé de travailler avec eux, du coup j'ai tout de suite dit oui. Et du coup je vais vous montrer un peu aujourd'hui comment j'utilise des post-it dans mon quotidien. Je sais qu'on est un peu dans les temps modernes maintenant, mais moi j'utilise toujours beaucoup de post-it parce qu'en fait j'aime bien avoir un truc visuel. Genre moi par exemple, même mon calendrier etc, si j'ai pas quelque chose de visuel dans ma chambre ou dans mon appartement, bah j'oublie. Du coup j'ai un petit planeur sur ma porte que vous verrez tout à l'heure. La suspense. Là je vais juste aller me maquiller, me préparer tout ça, puis ensuite on va aller en cours et puis vous allez me suivre toute la journée, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. De faire mes cheveux, je me suis bouclée un petit peu en off, je suis désolée. Maintenant j'ai plus qu'à faire mon sac, enfiler mes chaussures et let's go, on va en cours. Je m'avance vers mon école, du coup je suis à l'ECE Paris, je suis en école de commerce, je suis en 4e année et ma spécialisation c'est marketing, product management, international et digital. C'est un petit peu long mais en gros c'est du marketing digital et international. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là on va dans un petit cours d'Integrity Marketing Communication et je vous emmène avec moi.
du coup tout à l'heure je vous ai pas expliqué ce que c'était que ce truc là. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'avoir un truc visuel. Et je crois que c'est une des meilleures façons que j'ai trouvé de me faire un emploi du temps sans pour autant m'acheter un planeur. C'est hyper simple, ça va hyper vite à faire. On met juste, on regarde le mois, on met chaque jour le jour qui correspond dans le mois. Et je me marque en fait tous les trucs que j'ai à faire. Je marque quand j'ai des vidéos à faire, je marque quand j'ai des interros, je marque quand j'ai des photos, enfin toute ma petite vie à faire. Quand j'ai des voyages, pareil. Et du coup ça me permet de toujours avoir un petit coup d'œil quand je pars de chez moi pour savoir si j'ai pas des trucs à faire ou des trucs à faire dans la semaine qu'il faut que je prépare. Enfin, vous m'avez compris, c'est une super manière pour moi de m'organiser et tous les jours j'enlève le petit post-it que j'ai déjà fait et je refais ça tous les débuts du mois, voilà. Partir de chez moi, j'ai travaillé toute l'après-midi, je vais aller prendre un petit verre avec des copines, on va se rejoindre dans un bar. Petit moment détente après une belle petite journée, c'est parti. Pour finir ma journée, je suis désolée, je vous ai pas trop vlogué en cette fin de journée. Je viens de rentrer chez moi après mon petit verre avec mes copains. Je viens de me remettre en pyjama. Il est presque 21h et je vais aller regarder des petits films, rien de très passionnant. C'est la fin de ma journée, demain il faut que je me lève pour aller en cours bien plus tôt que ce matin. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.